Nous avons notre champion! Votez pour le prochain épisode dans les commentaires. Are you okay, Simon? I think you're bleeding. Ouais, ça arrive tout le temps. Ah bah super! Dès le début, notre personnage est complètement éclaté au sol. Yeah, I'm up. My name is David Munchie. Hey, Munchie, c'est marrant ça, c'est comme les chips. Bah oui, les Monster Munch, vous avez compris. Oui, je vous appellerai Monster Munchie. Bon, ça suffit maintenant. Pardon, monsieur. Voici donc notre héros, Simon Jarrett, que je vais juste appeler Simon, hein, vous en doutez. Jeune homme canadien, victime d'un terrible accident de voiture, ayant ôté la vie à sa petite amie Ashley et lui ayant causé des dommages cérébraux irréversibles. Désespéré par les maux de tête qu'il doit subir au quotidien, Simon va alors contacter un médecin, le fameux docteur Munchie, pour tester un traitement censé le guérir au moyen de scanners cérébraux. Bonjour, Monster Munchie! Si vous redites ça encore une fois, je vous enfonce ce tuyau dans le cul. Ready? Oh, y a quelqu'un? Monster Munchie! Je pouvais plus le dire. Réveillé dans un bien étrange endroit, nous nous rendons en plus très vite compte que les choses ne vont pas bien. La base dans laquelle nous nous trouvons, apparemment appelée Pathos 2, est en effet remplie de robots étranges, de tentacules en liquide noir dégoûtant et de cadavres. Mais monsieur, tu bouges plus. Mais arrête Simon, c'est dégueulasse. Non, pardon madame. Armés de notre seul Omnitool pour pouvoir avancer, nous nous rendons compte qu'en fait, la base dans laquelle nous nous trouvons est une base sous-marine. Oh, c'est joli. Eh mais... Mais qu'est-ce que c'est là-bas? Ça fait quoi si je tire là? Oups, pardon madame! Mais c'est pas vrai ça! Fais un peu attention! Bon, ayant réussi à rétablir le contact dans la centrale par un pur hasard en appuyant partout, nous parvenons tout de même à rentrer en contact avec une personne supposée vivante sur le site Lambda. Nous allons aussi faire la connaissance de créatures particulièrement hideuses, mix entre des cadavres et les tentacules noirs que nous avons croisés un peu partout, qu'il nous faudra éviter discrètement pour pouvoir nous sortir de là et poursuivre notre avancée. Et comme si cela ne suffisait pas, nous allions un peu plus loin tomber sur un nouveau robot qui semble lui aussi se prendre pour un être humain. Yeah, I'm human. Désolé monsieur, mais pour moi vous êtes un aspirateur. Hein. Je ne vous permets pas. Un robot humain dont on découvrira quand même le cadavre un peu plus loin, ce qui ne l'empêchera pas de hurler à la mort lorsque nous actionnerons l'interrupteur pour pouvoir débloquer notre chemin. Tais-toi monsieur l'aspirateur, tais-toi! Oh, that's better. Simon, was it? Oui madame, moi c'est Simon. Comme saumon, sauf que ça s'écrit pas pareil. Hi Simon, I'm Catherine. Comme tartine avec un K. No! Simon, come to Lambda. I'll wait for you! Ah! Je me noie! Je me noie! Je me... Hein? Eh mais, du coup j'ai les bras tout noirs qui brillent et je respire sous l'eau. Est-ce que ça veut dire que je suis... La petite sirène? Sous l'océan. Dotés de nos nouvelles capacités aquatiques, nous allons poursuivre notre avancée dans les fonds marins jusqu'à arriver à la station où nous sommes censés retrouver la navette pour rejoindre Catherine. En empruntant les tunnels, nous aurons la chance d'enfin tomber sur un être humain encore vivant. Simon, calme-toi. Ne touche à rien, tout va bien se passer et... Non mais c'est mon merde quoi! C'est juste tirer le fil, c'est tout! Mais on peut pas tirer sur tout ce qui pend à tout bout de champ quand même! Ben moi-même, quand j'étais petit, eh ben je tirais souvent sur mon... On ne tire plus sur les câbles, un point c'est tout! Bon! Parvenus à trouver la navette que nous réussissons par miracle à faire fonctionner correctement, nous nous dirigeons vers le secteur Lambda. Madame Catherine, non, je viens te sauver! J'espère juste que tu seras pas un robot! I'm right next to you. Non! Après avoir transformé Catherine en version portable que nous glissons dans notre Omnitool, cette dernière va nous apprendre que nous sommes en fait 100 ans dans le futur et que le monde a comme qui dirait disparu après la chute d'une comète. Les restes encore vivants de l'humanité avaient alors été rassemblés dans la station Pathos 2, sous l'eau, pour essayer d'y être sauvegardés le temps que leur cerveau soit scanné puis uploadé dans un projet appelé l'Arche, pour que ce dernier soit envoyé dans l'espace et perdure malgré la mort des derniers êtres vivants. Sauf qu'évidemment, rien ne s'était passé comme prévu! Tous les humains avaient fini par mourir, ce qui fait que l'Arche était restée bloquée dans la station Tau, sur Terre, et ça allait donc être à nous d'aller la chercher et de l'envoyer dans l'espace pour sauver les restes de l'humanité. Ça va, Simon? Vous avez tout suivi? Ça fait plein de mots compliqués, mais je vais sauver tout le monde? Oui, enfin, ce qu'il en reste...
Et nous avec, si on a de la chance. D'accord, madame, je vais le faire, oui. Comme ça, je sauverai tout le monde et je serai un héros. Et même que les gens, ils m'appelleront Iron Man. Bon, allez, j'ai de l'espoir. À la fin, je suis sûre qu'il aura progressé. En route avec notre petite dame de poche pour essayer de rejoindre les abysses. D'abord en empruntant un zeppelin que nous n'arriverons à activer qu'en récupérant des pièces sur un robot humain qu'il nous faudra taser à mort. Puis, arrivé à la station Theta, nous... Bon sang, mais Simon, qu'est-ce que j'ai dit à propos des câbles ? We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. Here we go. The Dunbat. It's quarantined. We need a security cipher. Et toi, Madame Catherine, tu les connais pas, évidemment, les petits chiffres. Non, malheureusement. Oh, bah peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui les connaît. Eh bien oui, ça me semble être une très bonne idée. Vous faites des progrès, Simon. Je suis Iron Man ! Après un petit interrogatoire avec un ancien membre de la sécurité dans une simulation pour récupérer les codes, nous réactivons enfin le Dunbat et... J'ai rien fait, moi, cette fois. Non, non, t'inquiète pas, tu n'y es pour rien. Tout ça est la faute du WoW. Oh bah, la situation, elle est pas WoW du tout. Non, en effet. Bon, que je vous explique. Le WoW, oui, nom très particulier, j'en conviens, était une IA supposée aider l'humanité. Malheureusement, après la chute de la comète en overdose de l'aile structurelle et perturbée par les nombreux suicides des survivants après leur scan, il va progressivement péter un câble, littéralement, et sauver la vie et l'humanité à sa manière. Il s'était alors répandu dans toute la base, tel un cancer, infectant progressivement tout être vivant, plongeant certaines personnes dans le coma, transformant d'autres en amas de chair et de liquide visqueux, mi-machine, mi-humain, ou en téléchargeant carrément les scans cérébraux des survivants dans des robots. Et on fait quoi maintenant ? The only other way would be the climber at Omicron. It's like an elevator which supposedly reaches all the way down into the abyss. Oui, mais il va vous falloir une nouvelle armure pour pouvoir résister à la pression. Ah oui, en plus j'ai fait pipi dans celle-là. Charmant. Ah oui, surtout quand tu sais que le corps actuel de Simon n'est en fait qu'un mix entre une combinaison plongée, une puce cortex, et le cadavre d'une ancienne collègue de Catherine, le tout assemblé avec du gel gluant noir. Mais oui, t'avais pas ça avant. Bon sang, en plus d'être demeuré, c'est un vrai beauf. Et je suis pas une vache. Si je n'étais pas un bout de métal, je me cognerais la tête sur ce bureau jusqu'à m'assommer pour ne plus vous entendre. Courage, Catherine, ça va aller. Arrivé enfin à la station Omicron, nous serons alors interpellé par un nouvel individu. Oh non, non, c'est vous qui arrêtez, monsieur. Un peu plus loin, nous mettons enfin la main sur la fameuse combinaison des abysses, déjà habitée par le cadavre d'une ancienne demoiselle, et dans laquelle nous allions devoir nous réimplanter afin de poursuivre notre avancée grâce à un certain matériel. Fouillant la base pour trouver les ingrédients nécessaires à notre réincarnation numéro 2, nous serons interpellés une nouvelle fois par le monstre qui parle, puis bloqués par d'autres plus hostiles. Mais non, t'as rien compris, on joue. Allez, on continue. 1, 2, 3, soleil. Il est pas content! Enfin, prêt à assembler notre nouveau corps, nous utilisons tous les composants découverts un peu plus tôt, puis nous grimpons dans le siège afin de procéder à notre transfert. Phew! Ça fait du bien de plus avoir le cul qui colle. Attends, mais c'est quoi cette histoire de copie terminée, là? Eh ben, vous me semblez beaucoup moins débile qu'avant, dites-moi. C'est encourageant. Changez pas de sujet, vous! Qu'est-ce que... Eh oui, les scans des cerveaux étaient en fait copiés et pas transférés d'un corps à l'autre. Nous nous trouvions donc en présence de deux copies de l'ancien Simon, dont l'une allait pouvoir continuer pendant que l'autre était condamnée à rester vivre dans cette partie de la station tout seul. Non, mais il va falloir le débrancher avant qu'il se réveille, hein. Vous pensez que c'est la meilleure solution? Ah, parce que vous en avez une autre, peut-être? Bon sang, mais faites comme vous voulez, et puis arrêtez de m'agresser aussi! Je commencerai presque à regretter que vous ne soyez plus demeuré. Décidant d'éteindre le Simon 2.0, nous reprenons Catherine de poche et nous dirigeons vers le climber censé nous amener vers les abysses. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui était-ce? Vous le connaissiez? Oh ça! Mais c'était juste mon pote Johan qui venait m'apporter une petite bédouze! À votre avis, Catherine, vous croyez vraiment que je le connaissais? Non mais vraiment, et c'est moi que vous traitiez de débile! Mais calme-toi, Simon, enfin! Il a un peu chafouin sur cette copie, non? Bon, en route pour trouver enfin l'arche sur la station Tau. Nous allons pour se faire traverser le plateau des abysses parcouru par des tempêtes sous-marines et attaqué de temps en temps par des poissons mutants jusqu'à enfin arriver devant l'entrée. Bon, j'imagine que pour pas changer, ici aussi tout le monde est mort. Et effectivement, mort ou ça, à part... You're different. Sarah Lindwall, a rare sight, am I
right? You're the first normal living human I've seen. Vous êtes en train de me dire que je suis la dernière personne en vie sur cette planète? Ouais, quelle chance, hein? Bon, on s'en fout, moi je suis juste là pour une chose, c'est savoir où t'as foutu l'arche. Et pour en faire quoi, exactement? Oh bah je comptais lui mettre une petite laisse et aller la promener au parc pendant que j'allais pique-niquer. Mais à votre avis, je vais la lancer dans l'espace pour me tirer d'ici, qu'est-ce que vous croyez? Ok, ok, j'en ai plus pour longtemps de toute façon. Prenez-la. Et maintenant, Simon, j'aimerais vous demander quelque chose. Débranchez-moi, je vous en supplie. Je sais que c'est va être difficile pour vous, mais... Et yop là! Trop facile. J'ai l'impression d'avoir fait ça toute ma vie, dites donc. Alors, heureuse, je pense que ça va dire oui. Enfin en possession de l'arche, nous allions pouvoir l'amener jusqu'à la dernière station, la station Fille, afin de retrouver le canon qui nous permettrait de l'envoyer dans l'espace. Interrompu par notre pote Johan, bien décidé à arrêter le wow, qui nous annoncera que le gel que nous avions utilisé pour nous reconstruire était en fait un gel spécial dans lequel avait été intégrée une toxine qui permettrait de détruire le wow si nous arrivions à l'injecter dans le cœur principal de l'intelligence artificielle. Push your arm into the heart. Non mais vous appelez ça un cœur ? De là où je viens, ça, c'est un anus, les gars. J'avoue que ça y ressemble pas mal. Bon, go pour le fisting, alors. Putain, je vous jure ce qu'il faut pas faire, franchement. Ah, cet anus de merde est en train de me bouffer par là. Ah oui, mais non, merveilleuse situation, sans compter que Johan, après ça, va essayer de nous tuer pour pouvoir se débarrasser définitivement de toute trace du wow. Ha ! Au moins, enfin une justice ! Bon allez, c'est parti pour la station Fille, je me tire d'ici. Nous parcourons donc les derniers kilomètres nous séparant de la station Fille, en passant sous silence que le fait que notre bras a été arraché par l'anus des enfers ainsi que notre combinaison ferait que nous serions normalement plus capables de survivre dans les abysses. Ouais, c'est déjà assez la merde comme ça, hein. Chris, what the hell happened to your arm? Et vous, Catherine, n'en rajoutez pas. Non mais franchement, si vous avez été aussi désagréable dans votre première vie, je doute qu'il y ait eu beaucoup de gens pour vous pleurer. On se calme. C'est bientôt terminé. Nous remettons enfin la main sur l'arche que nous amenons jusqu'au canon de lancement, trouvant au passage le cadavre de la toute première Catherine. Ouais, bon, on n'a pas vraiment le temps de s'apitoyer, hein. Eh bien, un peu de respect, merde! L'arche chargée dans le missile, nous utiliserons le siège de téléguidage pour l'envoyer dans le canon et ainsi procéder au lancement ainsi que notre téléchargement. Ah, enfin l'occasion de pouvoir se tirer de cet endroit de merde. Catherine? Mais dites-moi, qu'est-ce que je fous encore ici? Pourquoi je suis pas partie dans l'espace avec tous les autres? Enfin, Simon, réfléchissez un peu. Vous avez été scanné et copié dans l'arche, tout comme moi. Encore cette histoire de copie à la con? Vous êtes en train de me dire que j'ai fait tout ça pour rien pendant que Simon 4.0 est en train de se la couler douce dans un monde paradisiaque dans l'espace, alors que moi je vais devoir croupir ici pour l'éternité? Avec beau en plus! Oh bah si vous croyez que ça m'enchante, je suis juste fière de ce qu'on a accompli, vous devriez l'être aussi, espèce de... Catherine? Ah non, sérieusement, après tout ce qui vient de se passer, vous allez en plus me laisser tout seul! Catherine! Meanwhile... On a réussi? Oh ouais, mes bras brillent plus, c'est incroyable, je suis redevenue moi-même! Fini le Simon débile ou le Simon aigri, je suis un nouvel homme! Prépare-toi à l'arche, Simon 4.0 est là et il est bien décidé à te conquérir! Catherine! Oh, quel plaisir de vous voir, vraiment, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. It's okay, Simon. Everything's all right now. Enculé! Merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode. Comme vous avez pu le voir, Soma est un petit jeu psychologique essayant de nous faire réfléchir sur ce qui fait que nous sommes des êtres humains et ce qui définit la vie en elle-même. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à puncher le pouce bleu des familles si c'est le cas. N'oubliez pas non plus de voter pour le prochain jeu dans les commentaires. Vous trouverez mon commentaire épinglé et dans les réponses, les propositions, il suffit de liker celui qui vous plaît le plus. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, hein, ça coûte rien et comme ça vous ne raterez aucun de mes prochains épisodes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Salut, salut.